Vlogmas numéro 16. Je vous prends très très tard, il est 21h. C'est de mieux en mieux. Le titre de ce vlog, ça va être colis, colis et colis. Je sais pas si vous allez kiffer, mais j'ai tellement de trucs à vous montrer. Bref, on commence avec la case déjà My Muesli de Matt. Celui-là, c'est le Berry Caramel Salé Granola. Donc dedans, vous avez granola bio avec des crispies au caramel salé, des framboises et des myrtilles. Pas mal. Ce matin, j'ai mangé celui aux 3 chocolats, il me semble. Non. Je sais plus lequel. Ah, franchement, il était trop trop bon. On est en week-end, on est trop contents. Youpi! J'ai fini à 20h et on a mangé, etc. Donc voilà. Demain, dans le vlog de demain, il y aura plein de choses aussi. On va aller au marché de Noël. Enfin, je vais aller au marché de Noël. Je dépose Mathias chez nos amis, vous savez, qui ont Colline. Et avec Colline et sa maman, donc mon amie, on va aller faire le marché de Noël de Cherbourg. Ouais, je suis trop contente. Trop contente. Bref, j'ai plein de colis à vous montrer. Donc, je vais vous montrer le colis d'Alexa et Eddy. Mathias a reçu un colis de son boulot. Je vais vous montrer. Et j'ai un partenariat avec un site de maillots de bain. Du coup, je vais vous montrer ça et je vous ai serré les maillots de bain dans le Vlogmas de dimanche, donc qui sortira lundi matin pour vous. Parce que franchement, j'ai pas la foi de les essayer maintenant. Mais je vais vous les montrer quand même si ça peut vous intéresser. Sait-on jamais. Et comme ça, vous verrez si ça me va ou pas lundi matin. Pour moi, dimanche, mais... Alors, Matt a reçu dans son colis. Il a de la chance, il a des cadeaux de Noël. Déjà, il y avait 50 euros de chèque Cadoc, là. Et sinon, que de la bouffe. Donc, dedans, de la marque Les Biscuits Jacotte. C'est fait dans le 25. Sèche apéro provençal. Comme ceci. Écoutez, on est content. Il y avait dedans des petites... Il y a des petites papillotes, là, vous savez. C'est du chocolat, c'est pas des... Des comment? Des trucs de fruits, là, des pâtes de fruits. Il a reçu une bouteille de vin rouge à consommer avec modération. C'est pas nous qui vont l'avoir parce qu'on boit pas de rouge. Et une bouteille de rosé, pareil, à consommer avec modération. Ça va? Alors, vous êtes plein de pas le voir. Il n'arrête pas aujourd'hui. C'est le bordel dans la baraque. Demain, ménage. Demain, je vais chez l'esthéticienne demain matin aussi. Heureusement, ils m'ont envoyé un message parce que je m'en rappelais même plus. Il a un chèque cadeau aussi de 10 euros sur Sommellerie de France. Voilà. Il a un petit pâté. Donc, le pâté, c'est galantine de pintade à la truffe sain. Pas mal. Je suis pas sûre qu'on la mange. Encore des papillotes. Des chouchous. Un assortiment de chocolat. Là, c'est un délice de thon au piment d'Espelette. Et, j'adore, ça fait trop longtemps que j'en ai mangé, du nougat. Donc franchement, plutôt sympa. Je vais ranger tout ça. Parce que là, il y a trop de bazar. Je vais vous montrer Saphir. Saphir, regarde, c'est les filles. Tu veux pas voir les filles? Oh si, maman. Je veux bien voir les filles. Mais je fais des bêtises. Attends. Oh. Hein, bébé Saf? Oh, c'est mon bébé Saphir. Ils t'ont pas vu hier. Elles se sont inquiétées. Mais non, non. Il va bien, vous inquiétez pas. C'est le bordel. Non, j'ai pas honte, hein. C'est la vraie vie, que voulez-vous. J'étais de coupure, et pendant ma coupure, qu'est-ce que j'ai fait? Un petit dodo. J'ai dormi, je me suis reposée. Bref, on boit un café, et comme ça, je vais monter là-haut, et je vais vous montrer ce que Alex et Eddy nous ont envoyé. J'ai eu Alexa tantôt au téléphone, et, pour la remercier quand même. Donc, on est trop contents. Bref, je vous montre ça juste après. Bon, me revoilà. Il est très tard. Il est 11h15. Mais j'en ai quelque chose à ma collègue qu'elle m'avait demandé, que je pensais ne pas avoir et que j'ai retrouvé. Du coup, je lui ai donné, je lui ai emmené au travail. Bref, je vous montre le colis d'Alexa et le colis de la marque et je vais vous les abandonner ici après. Le colis d'Alexa. Trop contente. J'ai mal aux lèvres. Alors. Ah oui. Dedans, j'ai remis. Dis-moi tout, machin, truc. Hein, parce que.
je vais mettre ça là. Et comme ça, je vais pouvoir préparer le colis aussi. Alors, déjà, tout est un peu embordé. Ils nous ont fait une jolie petite carte, plein de brillants comme ça. J'aime trop. Et dedans, bien entendu, il y a un petit mot, mais on va garder ça pour nous. Trop joli. Hop. Ensuite, bien entendu, elle est amoureuse des animaux et de son chien. D'ailleurs, je vous mets une photo de Brio et il a un compte. Elle a fait un compte pour le chien et les photos sont magnifiques. N'hésitez pas à aller la suivre, ça me ferait plaisir que vous la suivez vraiment. Tous les jours, elle poste et c'est comme si c'était le chien qui parlait et j'adore. Du coup, bien entendu, elle a pensé à Saphir et Ruby. Des petits cœurs comme ceci. Donc dedans, je me demande s'il n'y a pas de l'arbre à chat. Fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclé. Non, il n'y a pas d'arbre à chat. Mais franchement, ils sont trop jolis. J'attendais de faire la vidéo, comme ça, je vais leur donner tout ça. Et là-dedans, je pense que c'est chez Action, ça. Enfin, le packaging me dit quelque chose. Oh, c'est trop drôle. C'est avec une petite souris. Qui ressemble pas trop à une souris. Et en fait, c'est dans... ça va être trop génial, ça. Attendez. Ils vont être fous avec ça. Je sais pas trop comment faut... Attendez. Ah bah déjà, Bernice, il faut mettre des piles. J'ai pas mis de piles. Écoutez, vous savez quoi? Je vais mettre des piles demain dedans. Comment on ouvre ça? Ah oui, on va pas trop... Faut que j'enlève les petits vis. Je mets des piles et je vous montrerai Saphir et Ruby jouer avec dans le dans les vlogs là. Soit celui de demain, soit celui d'après-demain. Je suis sûre qu'ils vont kiffer. Ils aiment trop ce genre de petites conneries là. J'avais pas trop regardé ce que c'était. Je croyais que c'était, vous savez, une balle où vous mettez des gourmandises dedans. Et à force de la faire bouger, la gourmandise tombe. Mais c'est pas du tout ça. Bref, ça c'est un papier. Ensuite, je vous montre les meilleures choses à la fin. Enfin, les meilleures choses. Tout est parfait. Hein. Mais je vous montre des très très beaux cadeaux à la fin. Alors, attendez, si ça tombe, ça va casser. Hop. Donc, ils ont été en Andorre. Et en Andorre, vous savez que le chocolat, tout ça, ça vaut le coup. Et je pense qu'ils nous ont ramené ça de là-bas. Donc déjà une tablette Milka, peanut caramel. Alexa, par contre, je ne te comprends pas. Tu me suis dans mon régime, dans mon rééquilibrage alimentaire, et tu sais que j'ai beaucoup de mal, et tu m'envoies des cochonneries. Bref, ça, ça fait plaisir. Ils nous ont envoyé ça, déjà, elle est trop belle. C'est une tablette de chocolat trop jolie. C'est du chocolat noir 70% avec des amandes. Franchement, même si j'aime pas le chocolat noir, le packaging me donne envie. Mais moi, ça me fait pas penser à... Ah si, j'aurais cru au départ des petites cacahuètes. Mais non, c'est des amandes. De la marque Cadbury, des Twirls. Hop, c'est du chocolat, vous savez, très aéré. On aime bien, ça, on en avait acheté en Angleterre. Là, c'est du chocolat caramel, pareil, de la marque Cadbury. On adore. Ceci, de chez Lindt, chocolat noir noisette. La Whispa. Pareil, c'est du chocolat un peu aéré. Et de la marque Lindt, chocolat au lait. On en a chacun un. Mathias préfère chocolat noir et moi le chocolat au lait. Donc on en a chacun un. Ensuite, Amat, cadeau de Noël de fou, de la marque Biotherme. Enfin, je suis trop contente qu'il ait eu ça aussi. Donc dedans, il y a un ultra nettoyant et rafraîchissant, une mousse de rasage anti-irritation et anti-rougeur. Et un ultra hydratant et fortifiant. Donc Mathias, ce n'est pas trop soin, etc. Mais il m'a dit, franchement, j'ai trop envie de tester. Et de plus, comme c'est un cadeau, franchement, je sais qu'il va le tester. Je vous montrerai tout ça dans les produits terminés. Ou si, on ne sait jamais, s'il veut vous en parler. N'y croyez pas trop. Ça se présente comme ceci. Franchement, c'est des très beaux cadeaux. Je pense qu'ils ont eu ça en Andorre. Hein. Et je suis trop contente. Et maintenant... À mon tour, hein. Ça suffit, hein, Matt, c'est tout. Elle me connaît par cœur puisqu'elle m'a offert
le parfum Alien. Ça m'a trop touchée. Pas être émue ici, mais ça m'a trop touchée parce que elle me connaît vraiment, vraiment par cœur. C'est l'eau de toilette Vapo de chez Alien et elle sait que c'est mon parfum. Oh, il sent tellement bon. Je suis trop contente de l'avoir retrouvé. J'en avais plus. La bouteille est vide. Je ne sais plus où je l'ai mis parce que je l'ai gardé pour elle. Puisqu'elle, elle fait collection des bouteilles vides. Donc, ils me l'ont offert en 30 ml. Ouais, 30 ml. Trop contente. Et un trop joli cadeau. On va poser ça juste là. On ne trouve plus trop, on ne trouve plus chez Sephora la marque Urban Decay. Et ils ont été en Andorre et elle s'est pris une palette et elle me l'a envoyée en photo et je la trouvais tellement belle. On ne pouvait plus la trouver. Elle m'a pris une nouvelle Naked. C'est la Urban Decay Robin Heisenberg. Alors déjà le packaging, franchement, il est trop trop joli. On n'en a pas beaucoup entendu parler sur YouTube, mais je pense que comme la marque est plus trop trouvable en France, je suis trop contente parce que je sais qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir. Et elle est très jolie et ça change de ce que Urban Decay fait, je trouve, ce qu'on a fini par connaître à la fin. Donc toujours un petit pinceau double et c'est très coloré, très irisé, très pailleté. Et franchement, trop trop belle. Là, les bleus sont magnifiques, les roses aussi, vous me direz. Mais je pense que je vais me maquiller dans le week-end avec. Je pense, ouais, pourquoi pas me maquiller avec dans le week-end. Là, ce sont des pailletés un peu holographiques. Magnifique cadeau. Vraiment, je suis trop contente. Je vais essayer de la trouver sur Internet. Pour vous mettre un lien en barre d'infos, qu'on puisse se la procurer en France. Je sais qu'elle l'a eu en Andorre. Si on peut se la procurer en France, je vous mettrai un lien si elle vous intéresse. Mais les Naked, c'est vraiment des palettes phares. Moi, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. J'en ai huit. Et avec celle-ci, neuf. Il doit m'en manquer une ou deux. Il faudrait peut-être que je me les achète pour juste compléter ma collection, en fait. Donc voilà, pour ce très très beau colis, merci encore mille fois Alex et Eddy. Je les ai eu au téléphone, on leur a envoyé des messages et tout, on leur a envoyé plein de messages d'amour. Et je sais que ça vient du cœur, donc ça touche encore plus. Et c'est le genre d'attention qui fait vraiment vraiment plaisir. Elle me connaît par cœur, ils nous connaissent par cœur, vraiment. Et ça a été une rencontre, grâce à YouTube, je pense que ça a été... Hormis, on va dire, Justine et Mylène, je pense que ça a été ma plus belle rencontre, Alexa. On est complètement différentes, mais c'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Mais vraiment, on est vraiment très, très différentes. Et je l'adore. C'est comme ma grande sœur, en fait. Quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi, elle le sait direct. C'est dingue. À chaque fois, elle m'envoie un message. Et elle me fait du bien, en fait, au moral et à mon bien-être. Et quand on les voit, on passe toujours d'excellents moments. Donc, j'ai hâte qu'on les revoie. J'aimerais tellement qu'ils viennent en Normandie, visiter la Normandie et un petit peu être à la maison avec nous. Ça serait vraiment chouette. Bref, encore un message plein, plein d'amour pour vous deux. Et encore merci énormément à vous deux. Donc, voilà. Je range ça et puis je vous reviens tout de suite pour vous montrer les trois maillots de bain que j'ai choisis avec une marque. Donc, ben voilà. Donc, j'ai reçu une proposition de partenariat. Donc, je reçois des produits gratuitement, mais je ne suis pas payée pour en parler. Je ne suis pas obligée d'en parler. Je les ai reçus tantôt. Je ne les ai pas du tout ouverts. C'est de la marque Si Fancy. Je trouve que les modèles sont canons. Que vous ayez une petite taille, une taille un peu plus normale ou une grande taille. Franchement, ils sont vraiment, vraiment chouettes. Maintenant, je trouve que ça met un petit peu de temps à venir. Ça a mis 12 jours à venir. De trop trop beaux modèles. Donc je vous montre comme ça les modèles ainsi que les photos portées par le site, la taille, le prix, etc. que moi j'ai pris, et je vous les essaye dans le Vlogmas qui sortira lundi matin à 6h, donc je vous les essaierai dimanche pour ma part. Donc j'ai pris celui-ci, j'ai tout pris en taille 24 qui équivaut je crois à un 52-54. J'ai préféré prendre un peu plus... enfin j'ai préféré prendre de une bonne taille que trop petit. Donc, pour une fois, c'est très très rare,
J'ai pris un maillot de bain deux pièces. Donc, ça se présente comme ceci. Il est trop joli. Il est noir et blanc avec des coques comme un soutien-gorge. Vous voyez, il a des armatures. Les coques, vous ne pouvez pas les enlever. C'est vraiment comme un soutien-gorge. Il a l'air de bien maintenir. Derrière, vous avez une attache comme ceci. Hop, attendez. Comme ça. Franchement, il est vraiment, vraiment chouette. Donc, le haut se présente comme ceci. J'aime beaucoup. Et normalement, la culotte, si je ne me trompe pas, c'était une culotte taille haute. C'est ça. Hop. Qui se présente comme ça. Donc, je mets très peu de maillot de bain de pièces. Parce que oui, je suis comme vous toutes. Je ne suis pas tout le temps à l'aise. En fait, j'ai le ventre. Pas par rapport à mes bourrelets, j'en ai rien à faire. Mais j'ai le ventre qui est blanc. Bah parce que je suis toujours en maillot de bain une pièce, donc forcément je bronze pas du ventre. Et je trouve que ça fait cloche. Mais je me dis que pour partir au camping ou quoi, des fois pour bronzer, même pour être à la maison, je peux bronzer dans mon jardin, hein, mes voisins ne me voient pas. Je tire le paravent et ils ne me voient pas. Et franchement, je trouvais ça très joli. Et moi, vous savez que j'adore les marinières, donc c'est plutôt cool. Vous avez une protection au niveau de l'entrejambe. La qualité est franchement plutôt très très bonne. Le maillot de bain est doublé, donc ça c'est cool aussi. Voilà, j'ai trop rien à redire dessus, en tout cas comme ça pour le moment. Il est en 85% polyester et 15% de spandex. J'espère qu'il me va. On verra tout ça dimanche parce que comprenez-vous, à 23h30, je n'ai pas envie de me déshabiller et de me rhabiller. Un autre, je crois que c'était le seul en deux pièces. Le reste est en une pièce. Hop, il est canon. Il est très très beau. Alors, ça se présente comme ceci. Attendez. Ça. Là. Donc, c'est un bleu. Vous le voyez bleu roi, mais il est plus bleu marine. Mais vous le voyez un peu plus bleu roi. Bref, c'est un tour de cou à nouer. Vous avez des coques à l'intérieur qui sont retirables si vous le voulez. Il est en 82% nylon, 18% spandex. Et vous avez un petit lassage à mettre, vous savez, sous la poitrine qui peut faire très très sympa. De toute façon, vous aurez vu dans la photo du site. Pareil, je l'ai pris en taille 24. Ce sont des tailles UK, donc anglaises. Donc, je vous aurais dit, moi, ma taille UK, ce qui était égal à 52 ou à 54. Et franchement, ils sont plutôt chouettes. Comme ça, il me paraît un petit poil transparent, le dos. Mais bon, on verra bien. Mais il a l'air d'être vraiment sympa. J'espère qu'ils me vont parce qu'ils sont vraiment chouettes. Vraiment, très, très sympa. Pareil, vous avez une protection au niveau de l'entrejambe. Et on verra bien si ça me va dimanche, mais plutôt canon. Et l'autre, quand c'est pas marinière, ces petits pois, j'aime bien ce genre de choses rétro un peu. Et pareil, c'est un maillot de bain, une pièce, que je trouvais très 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 joli. Hop, comme ceci. Donc ça se présente comme ceci, c'est un croisement. Vous avez également des coques que vous pouvez enlever. Pareil, c'est un taille 24, c'est 82% nylon, 18% spandex. Franchement, ils sont vraiment vraiment chouettes. Je pense que ça peut faire vraiment sympa. Je trouvais que la forme changeait un peu de ce que je prenais d'habitude. Là, la culotte est un peu froissée. Vous savez, il paraît, hein, je connais rien, il paraît que ça affine un petit peu le bas du corps. Donc, la culotte devant est bleu marine, mais derrière, tout est petit pois. Ce sont des bretelles qui sont réglables et c'est du métal, c'est pas du plastique. Donc, ça, c'est plutôt bonne qualité. Donc écoutez, à tester, pareil, en taille 24. Donc, on verra bien ce que ça donne. Je vous en reparle dimanche. J'ai pas encore eu de retour de la marque. J'espère avoir un retour pour lundi. Si j'ai un code promo, en tout cas, si j'ai un code promo dans les jours à venir, je vous le mettrai et sur Instagram et dans un des Vlogmas. Vous inquiétez pas. Donc voilà. En tout cas, je vous aurais tout présenté. Je vous aurais montré tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Ça a été beaucoup de colis et tout. Je suis désolée, je vous ai pris très tard. Mais pendant ma coupure, je me suis reposée. J'ai eu Alexa au téléphone et j'ai fait une petite sieste. Tout à l'heure, j'ai rangé la cuisine. Vous l'avez vu en bazar, ça y est, c'est rangé. On est tranquille, c'est fait. De même, il restera un bon coup d'aspirateur à passer en bas, en haut, dans les escaliers et refaire ma salle de bain. Parce que c'est très poussiéreux, la salle de bain, du fait que je fasse sécher mon linge dans ma salle de bain. Il y a plein de petits mitons. Donc, je renettoierai ma salle de bain.
Sinon, je pense que je vous ai tout dit. Demain, je vous dis, je vous emmène avec moi à Cherbourg. J'ai trop trop hâte, je suis trop contente. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout raconté. Profitez bien de saison puisque lundi soir, c'est fini. J'en aurai d'autres. Plus court, on va faire un peu plus court parce que là, ils ont bien bien poussé, franchement. Et ils sont toujours nickel. Donc, je suis très contente aussi de Passion Beauté à 40 ans. Donc voilà, demain matin esthéticienne, demain après-midi marché de Noël et demain soir on mange entre amis, on est trois couples d'amis, on mange tous ensemble, c'est la première fois en plus de 15 ans, donc c'est très très cool. Moi je vous fais des bisous, je vais monter ce vlog pour vous l'ayez demain matin à 6h, j'espère que je vais y arriver et puis je vous dis à très très bientôt, à demain et puis d'ici là portez-vous bien, passez un excellent week-end et donc à demain. Bisous tout le monde.